Alors, on est parachat Yitro. Alors, c'est marqué au début de la parachat Yitro. Vaishma Yitro, Kohen Midian. Et donc, a entendu, Yitro, qui était Kohen Midian, était prêtre de Midian. Donc, on nous rappelle qu'il était prêtre alors qu'il avait fait, il a fait Teshuva. Et c'est marqué Choten Moshe, il était aussi le beau-père de Moshe. Et Kol Asher Aseh Elokim le Moshe. Donc, il a entendu tout ce qu'avait fait Akadosh Baruch Hu à Moshe, ou Israël à Moi et à Israël son peuple. Qui aussi Hashem, car Akadosh Baruch Hu avait sorti, et Israël et Israël. Les bénis Israël, les enfants d'Israël d'Égypte. D'accord ? Et Rashi explique ici, Mash moi Shamaouba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre et qu'il a fait venir ? Historiquement, il faut savoir que là, on est le jour du matin de Torah. C'est-à-dire qu'on est le jour de Kippour. Parce que finalement, on va recevoir la Torah à Kippour. Et qu'est-ce qui se passe ? Yitro, qui était un des ministres de Paro, hein, de Pharaon, oui, il a entendu quelque chose qui l'a fait réagir, qui l'a révolutionné, et il est venu se convertir au judaïsme. Bon, mais on sait qu'Yitro, c'était un penseur, c'est un philosophe, on sait qu'Yitro, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui essaie de trouver qui est-ce qui est à l'origine de tout ce que nous vivons, ouais. Et donc il va faire des recherches, donc il va pratiquer toutes les idolâtries possibles, imaginables, jusqu'à ce qu'il ait entendu deux choses qui l'ont révolutionné. Ça va ? Deux choses. Et ça l'a bougé, ça l'a révolutionné. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'abord de réfléchir. Parce qu'il est marqué, il a entendu quelque chose. Il n'a pas vu, il n'a rien vu du tout. Mais entendre, c'est comprendre. Ouais. Et aussi entendre, ça veut dire aussi qu'entendre, c'est qu'il y a des informations qui nous font réagir dans la vie. Il y a des informations qui ne nous font pas réagir dans la vie. Donc on entend des millions de choses par jour, et il y a des choses qui nous font réagir et d'autres que moins. Mais qu'est-ce qui nous fait réagir et qu'est-ce qui ne nous fait pas réagir ? Alors, peut-être que les choses qui nous intéressent, ça veut dire quelque chose qui vient répondre à quelque chose. Quand vous avez des questionnements dans votre vie, c'est pour ça que c'est important de se questionner. Vous voyez, c'est important. Et lorsque vous n'avez pas forcément des réponses, en fait, ça nous torture un petit peu, ça nous dérange. Et on va se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des réponses. Mais qui c'est qui va les entendre ? Seulement la personne qui avait la problématique. Ça veut dire qu'il est marqué dans la Torah, hein, « Shamu Amim Yagazun ». Ils ont entendu les peuples, ouais, et ils ont tremblé. Tout le monde a écouté, tout le monde a su la sortie d'Égypte, tout le monde a su. Seulement, hein, tout le monde n'a pas forcément réagi comme Yitro. Ça veut dire que les gens qui ont entendu, ils ont eu peur. Mais est-ce que pour autant, ils se sont démarqués de tout ce qu'ils avaient derrière et de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu ? Non. Et lui, exceptionnellement, le seul qu'il a fait, c'est Yitro. Mais à quoi ça vient répondre ? Ça vient répondre à l'idée que lorsqu'on est en recherche et qu'on est en manque, alors on est à l'écoute de ce qui peut répondre à notre problème, et quand on n'est pas en recherche parce qu'on n'a rien à savoir, et ben on entend, on dit ouais, ben super, ou alors ça nous fait peur, ou bien je ne sais pas quoi, mais en fait ça ne nous fait pas changer. Vous avez compris ? Qu'est-ce qui va changer notre façon d'être et notre façon de réagir dans la vie ? Qu'est-ce qui va changer ? Fondamentalement, c'est ce qui vient répondre à quelque chose qui, entre guillemets, devait être un soulagement. Parce que j'ai entendu que voilà, il y a deux phénomènes exceptionnels qui se sont déroulés, qui étaient l'ouverture de la mer Rouge et qui étaient la guerre contre Amalek, comme ça dit Rashi, et ça l'a fait réagir. Maintenant, pourquoi ces deux phénomènes en particulier ont fait agir Yitro ? Alors, le Maharal de Prague, il explique, à la différence des plaies d'Égypte, parce que c'est vrai que les plaies d'Égypte, c'est exceptionnel, hein, et ça n'a pas forcément fait réagir, par contre, là, oui, ça l'a fait réagir. Pourquoi ces deux phénomènes, ces deux événements l'ont fait réagir ? Ouais, celui de la guerre contre Amalek, qui sont en parachat de Béchalar, et aussi le fait que la mer soit ouverte devant lui, c'est un phénomène extraordinaire qui l'a fait réagir, plus encore que ce qu'il a pu voir et su des plaies d'Égypte, que les plaies sont une plus extraordinaire que les autres, et à chaque fois on voit que les Égyptiens sont touchés, et les enfants d'Israël ne sont pas touchés. Ce phénomène est exceptionnel. On dit, il y a eu la lèpre. Qui c'est qui peut échapper à la lèpre ? Les bêtes féroces, bon, ils ont choisi leur camp, les animaux, ok, les grenouilles, tout ce que tu veux, ok, mais la lèpre c'est un virus, et comment on peut passer entre les gouttes, c'est impossible, comprenez. Et lorsqu'il a vu que parmi les bêtes d'Israël, il n'y avait personne qui a été touché, ça aurait dû être un phénomène incroyable, et ça l'a pas bouleversé, bizarre. Pourquoi c'est comme ça? Alors là-bas, il faut savoir que dans la plaie de Shechin, ouais, la plaie de Shechin, c'était la plaie des poux, ouais, il y a la plaie des maris, et la plaie des poux, ouais, les poux. L'époux et le mari. Non, c'est la même plaie, en fait. Ouais. Donc, il y a la plaie de l'époux. C'est quoi la plaie de l'époux ? C'est quoi, hein ? C'est que c'était de la poussière. On a récupéré de la poussière, on l'a jetée comme ça, et ça a fabriqué un virus. Un virus qui était... Ils ont eu des furoncles, ils se sont grattés. Ça les grattait de partout. Bonsoir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais là-bas, bizarrement, comment ils s'appellent ? Les Égyptiens, les Khartoumim, ces fameux sorciers, ils ont dit, ça c'est divin. C'est pas humainement possible.
Parce qu'ils utilisaient des monstres et des démons à l'époque, parce que c'est ça les forces qu'ils utilisaient, pour pouvoir déplacer des objets, déplacer des... Par exemple, un exemple, que lorsque Moshe Rabbeinu, il a pris son bâton, il l'a jeté par terre, il est devenu serpent. Et eux, ils ont dit, mais nous aussi, on est capable de faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à des sorciers, et effectivement, le bâton est devenu serpent. Mais comment un bâton devient serpent? En fait, c'est pas que le bâton il s'est transformé. Pas du tout. C'est que ce fameux démon-là, ce monstre-là, il a pris le bâton, il a été dans la forêt, il l'a déposé, il a récupéré un serpent, il l'a posé. En fait, à vue d'œil, j'ai eu l'impression que le bâton est devenu serpent. En fait, c'est pas ça, c'est qu'on a interverti le bâton par un serpent. Mais jamais le bâton est devenu transformé en serpent, jamais. À vue d'œil, on le voit pas, ça va à une vitesse telle que l'œil n'est pas capable de visionner. Mais en vérité, ça s'est pas passé du tout comme ça. C'est pas qu'il y a eu une transformation de la matière, mais qu'il y a eu un déplacement d'objet. Voilà. Et donc, c'est ça qu'ils étaient capables. Mais ça, pour être capable de faire une chose pareille, ce sont des objets qu'on peut prendre à la main, qu'on peut saisir. Mais les poux, c'est de la poussière, c'est impossible. Alors ils ont dit etzba elokimi. Etzba, en hébreu, ça veut dire c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Donc ils ont voulu dire c'est Dieu. C'est Dieu. Okay. Mais pourquoi pour dire que c'est Dieu, c'est le doigt? Bizarre. Le doigt de Dieu. C'est la main d'Hachem. Alors il y a la main d'Hachem. Où est-ce qu'on a vu la main d'Hachem? Bizarrement, nous, on n'a pas dit que c'est le doigt. Quand Hachem a ouvert la mer rouge, après qu'il ait ouvert la mer rouge, et que la mer se soit retournée contre les Égyptiens, et on ait fait la Shira, on a dit, ouais, il y a marqué qu'ils ont vu la main d'Hachem. Yad. Yad, ça veut dire en hébreu, c'est la main. Il y a combien de phalanges dans la main? Hein? De phalanges. Combien de phalanges? Il y a 5 doigts, et combien de phalanges? 10 plus 4, ça fait combien? Ça fait 14, Razak. Parce que, regardez, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 phalanges. Yad, ça s'écrit comment Yad? Yud, Dalet. Et Yud, Dalet. Yud, c'est 10. Et 4, c'est Dalet. Ça fait 14. Yad, c'est 14. Ça va? Ça veut dire qu'il y a 14 phalanges et c'est ça la main. Mais eux, ils ont dit qu'ils ont vu la main d'Hachem. Yad Achazaka, la main puissante. Pourquoi les ministres ont dit la main et eux, ils ont dit le doigt? Alors, le Maharal de Prague explique comme ça. Ils ont dit le doigt, vous savez pourquoi? Parce que dans ce domaine, dans le doigt de la main c'est tout. Le doigt c'est une partie de la main. Dans ce domaine, Hachem il est grand. Lequel? Ce domaine-là, c'est quoi? C'est les poux. Voilà, ça il est champion du monde. Dans ce domaine. Mais est-ce que, est-ce que cette plaie-là, où toutes les autres plaies sont révélateurs de sa puissance unique? Non. C'est ça qu'ils ont dit. Ça veut dire que, parce que Yitro, il ne recherchait pas à savoir qu'il était fort dans un domaine, Hachem, mais dans tous les domaines. Alors comment je vais savoir qu'il est dominant de tous les domaines? Alors il y a deux exemples. L'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Après c'est intéressant, parce que là-bas, bizarrement, Rashi, là-bas il nous ramène du Midrash, il dit que lorsque la mer s'est ouverte, elle ne s'est pas seulement ouverte là où vous avez vu qu'elle s'est ouverte, devant la mer Rouge. Elle s'est ouverte où? Dans toutes les mers du monde entier. Toutes les mers du monde entier sont ouvertes. Or à l'époque, ils pensaient, les Égyptiens, ouais, qu'il y avait des dieux en fait, ouais, mais que chaque océan représentait un dieu. Donc vous avez l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la mer Rouge, la mer Noire, l'océan Indien, tout ça, ce sont des océans, la Méditerranée, ce sont des océans. Mais chaque océan est un domaine qui lui est propre. Ça veut dire qu'il y a un dieu qui correspond à ce, comment dire. Donc ça veut dire que, effectivement, le dieu de la Méditerranée, on va dire, ne peut pas entrer dans le monde du dieu du Pacifique. Et celui du Pacifique non plus dans celui de l'Atlantique. Vous comprenez? Impossible, impossible. Or ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a remarqué que toutes les mers sont ouvertes. Mais qui c'est qui peut diriger toutes les mers? Vous avez compris? C'est le dieu à qui on a fait appel, qui a ouvert la mer Rouge, qui lui a ouvert toutes les mers. C'est impossible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que la mer, elle recouvre toute la Terre. Et donc le dominant de la planète, qui est la Terre, c'est la mer. Et qui c'est qui peut être dominant de toutes les mers? Personne. Et pourtant on a vu qu'elles sont toutes ouvertes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dirige toutes les mers. C'est qui ça? C'est Hachem. Donc il a dit dominant. Après on a vu un autre phénomène bizarre. C'est que lorsqu'on a fait la guerre contre Amalek, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il avait levé les bras jusqu'au coucher du soleil, à Adbo Hashemesh, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et là-bas, c'est marqué, Rashi dit, que pourquoi on a dit que le soleil se couche? Parce que Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil. Pourquoi il a arrêté le soleil?
Parce qu'en fait, les Amalekim, des gens qui vivaient à l'époque, étaient des Amalek, eux, ils pensaient que, en fait, vous savez, comme tous les astrologues pensaient à l'époque, que, en fait, on est, tout ce qui nous arrive, vous voyez, fait partie de notre destin. On a tous un destin, c'est vrai ? Et que si on a raté quelque chose, eh ben c'est mon destin. Et si j'ai réussi, eh ben je peux pas me valoriser. C'est mon destin. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de voir dans le ciel la réussite et la défaite. Donc si tu as réussi, bah oui, c'était marqué dans le ciel, c'est normal. Et si tu as échoué, bah c'est normal, c'était prévu, c'était échoué. Ça veut dire qu'on est tributaire d'un destin. Qui s'est conçu du destin ? Eh ben personne. Mais non, vous savez comment on détermine le destin ? Oui, à partir des étoiles et à partir du soleil. Parce qu'il y a des heures. Comme ça dit la Gemara dans Rosh Hashanah, ouais. Vous avez les douze signes zodiacales, ouais, qui sont le bélier, c'est quoi en fait le bélier, le taureau, etc. Ce sont en fait des signes qui sont dans le ciel, qu'on voit dans le ciel, qui sont des formes d'étoiles, qui ont la forme du bélier, la forme du scorpion, la forme de... En fait, il y a douze constellations d'étoiles, et il y a 24 heures dans la journée. Ça veut dire que chaque astre, il a 2 heures d'influence sur la Terre. Comme ça dit Rachid en Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'eux, ils pensaient qu'effectivement, les astres ont une puissance et une énergie qui vient influencer la Terre. 2 heures par jour. Mais non, les heures, elles sont calculées en fonction du soleil. Et le soleil, il éclaire au chocolat. Il éclaire toute la Terre. Le soleil, il éclaire toute la Terre, le soleil. Donc c'est-à-dire que le dominant de la Terre, c'est qui ? C'est le Soleil. Et en plus que le Soleil nous donne des heures, et que les heures, elles vont déterminer la destinée de chacun, parce que la Gemara dans Shabbat d'Afkouf Nounvav, elle dit là-bas, oui, que chacun, on a un mazal, une destinée différente, en fonction des heures de la journée, et en fonction de la journée, et en fonction du mois de l'année. Chacun un mazal. C'est-à-dire que si on a un projet, il y a un projet divin qui nous concerne, on va tomber dans un mazal qui correspond au projet divin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va nous donner une femme comme ça, un mari comme ça, une parnassa comme ça, autant d'enfants comme ça, voilà ce qui va se passer. Mais ça fait partie du mazal. Ça veut dire le mazal, c'est quoi le mazal ? En fait, le mazal, le destin, c'est les éléments qu'on donne à la personne pour s'épanouir toute la vie. Voilà, voilà, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, chaque personne correspond à un mazal. Pourquoi ? Parce qu'on a tous une destinée qui nous est propre et qui doit déterminer ce qu'on doit devenir. Eh ben, riche, pauvre, grand, petit, homme, femme, etc. Voilà. Après, la Yirat Shamaïm, ça, c'est pas donné. Ça, c'est chacun qui doit l'atteindre parce qu'on donne des moyens, on nous donne les moyens d'atteindre cette chose. Mais en vérité, ce que j'ai reçu correspond à ce que je devais recevoir, correspond à un projet personnel qui est divin, qui est prévu à HM. Qu'est-ce que tu vas donner dans ta vie ? Ben, il y a un projet derrière, il y a un but à atteindre et on te donne les moyens. On te donne, comme à l'école, on donne un cahier, un cartable et des stylos et des livres. Et ben là, on te donne un mazal. Le mazal, c'est quoi ? C'est la destinée que tu dois avoir. On te donne voilà, tout ce que tu as besoin d'avoir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ? C'est toi qui décides. Voilà. Mais non, ça fait partie des heures de la journée, des heures du mois aussi. Pareil, ça s'appelle le destin. Seulement, cette chose, mais est-ce qu'on est tributaire de son destin ? Alors Amalek, il disait, bah oui. Ben évidemment que c'est comme ça. Ça va ? Ok ? Donc tu vas voir dans le ciel et puis tu verras ta vie dans le ciel. Tout est inscrit dans le ciel. Donc, en fait, il craignait le ciel, mais il respectait ce qui était marqué dans le ciel. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus du ciel ? Non. Or, on a vu que quoi ? Que Moshe Rabbeinu, il a été capable d'arrêter le soleil. Et là, il a mélangé les heures. C'est-à-dire que l'heure s'est arrêtée. Nous, on savait qu'à telle heure de la journée, on aurait réussi à gagner la guerre, il pensait à Amalek. Seulement, cette heure, elle s'est arrêtée. Et donc là, ils sont devenus fous, ils ont dit, mais comment on va faire ? Mais qui c'est qui peut arrêter le soleil ? Qui sait qui peut être au-dessus du plan du mazal, c'est-à-dire de la destinée. Nous, on est tributaire de la destinée, comme ça, ils pensaient. Qu'est-ce qui peut être au-dessus de ça ? Personne. Alors, ils ont dit, alors c'est là qu'il a compris que si tu arrives à arrêter le soleil, c'est qu'il y a quelqu'un au-dessus, qui sait, c'est Hachem, à qui tu fais appel, qui t'a fait arrêter le soleil. C'est lui qui contrôle. Le soleil, c'est lui qui éclaire toute la terre. Le soleil, c'est lui qui est le déterminant du destin de chacun. Parce que les heures, vous comprenez ? C'est là qu'il a vu, c'est ça qu'il dit le Maharal de Prague. Que la mer s'est ouverte, toutes les mers sont ouvertes, et la mer, elle recouvre toute la terre. Et qui c'est qui contrôle le mazal des gens ? Ouais, ben c'est le soleil. Or, le soleil, on l'a arrêté. C'est-à-dire que quelqu'un est au-dessus du soleil. C'est ça, c'est Hachem. Ça l'a révolutionné. C'est ça. Ça veut dire que quand on voit, en fait, il faut être en recherche de signes. Vous voyez ? De là, on apprend beaucoup de choses. Ça veut dire que dans la vie, comment Hachem peut s'exprimer pour nous faire comprendre qu'il existe ? Eh bien, on verra que les aléas de nos vies, en fait, sont des messages.
mais chacun les interprète comme il veut. Alors on les interprète. On étudie la Torah pour les voir de façon positive. On étudie la Torah pour savoir qu'est-ce qui est déterminant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que des fois, les interprétations, elles peuvent venir d'une angoisse, elles peuvent venir d'un désir, elles peuvent venir de ce que vous voulez. Et ça peut être le Yitzhara, on ne sait pas. Vous voyez, on ne sait pas. Donc, comme c'est interprétation, qui c'est qui pense, qui c'est qui nous fait croire, on ne sait pas. Vous avez compris? Alors, on devient des tzadikim, pourquoi faire? C'est pas de la religion, c'est de devenir des gens bien, des gens justes, vous voyez, des gens qui sont respectueux des valeurs, des gens qui vont permettre à Hachem de pouvoir nous envoyer des bons messages. C'est pour ça que l'interprétation, elle va être liée à la faculté qu'Hachem a de nous donner la bonne interprétation. C'est pour ça qu'on se soumet à sa volonté, non pas pour être dépendant de qui que ce soit, c'est pas ça, c'est de dire que maintenant que je dépends de ta volonté, donc les messages que je vois, ils viennent de toi, j'espère que je serai en communication avec toi. C'est pour ça qu'on devient des tzadikim. C'est pour ça qu'on respecte la Torah. C'est pour ça qu'on fait les mitzvot. C'est pour ça qu'on fait la tefillah. C'est pour ça qu'on met des tzitzit. C'est pour ça qu'on met une kippa. C'est pour ça qu'on fait des brachot. C'est pour ça qu'on fait le shabbat. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Parce qu'on est en adéquation avec ce qu'Hachem a prévu pour chacun d'entre nous. Mais si on est en décalage, Hachem il veut bien nous parler, mais on n'est pas en face à face. On lui donne le dos. Il dit, vous avez vu, je suis là. Je vois pas où tu es. Je suis derrière toi. Ah d'accord. Retourne-toi. Lui il va pas se retourner. C'est nous qui devons nous retourner. C'est ça qu'il faut comprendre. Ici, c'est important qu'on comprenne que c'est ça qu'il a entendu. Et cette écoute-là, elle a changé sa vie. Parce qu'elle venait répondre à la question de savoir, pas qui fait chaque chose, mais qui c'est qui est dirigeant de tout ce programme. Et le dirigeant du programme de la planète, c'est Hachem. D'où j'ai vu, parce que dans ces deux phénomènes-là, j'ai vu. Ça va ? Ok. Ça, c'était Yitro. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yitro ? Il va se convertir au judaïsme. Et il arrive dans le désert. C'est-à-dire que Yitro, vous savez qui était Yitro? Yitro, c'était un des ministres de Paro. C'est connu. Et qu'est-ce qui se passe sur Yitro? Il descend de l'endroit où il est, de la hauteur où il se trouve dans le palais de Pharaon, et il va aller dans le désert du Sinaï pour retrouver les Israël et montrer par là sa conviction. Voilà, je vais délaisser tout ça pour venir vous retrouver dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Il voit Moshe Rabbeinu, il voit son beau-père. Après que la mer se soit fermée sur. Oui, exactement. Après la fermeture de la mer Rouge, et après la guerre contre Amalek, qui est bien après. Encore. Dans le désert, il s'est passé ces deux événements que Yitro a été mis au courant. Il a entendu, ça suffit pour qu'il change. Okay. Ça veut dire que ça vient répondre intellectuellement à une question qui était pour lui fondamentale, de savoir qui c'est qui est au-dessus de tout ça. Qui c'est qui dirige le monde? Il y a un boré olam. Nous, on croyait qu'il y en avait combien? Il y en avait un million de dieux. Chacun se dispute une fonction. On s'en rend compte qu'il y en avait un seul et unique, qui était Hachem. Donc s'il est un, il est un. Donc est-ce qu'il est fini ou infini? S'il est un, pourquoi il est infini? Parce qu'il est un. C'est quoi la logique? Parce que s'il y a autre chose que lui, il a forcément une limite. Parce qu'il y a d'autres. Il y a deux, il y a trois. Et d'où on sait qu'il n'y a pas deux? Le Rambam, il explique pourquoi. Parce que s'il y a deux, il y a une forme. S'il y a deux, il y a forcément une limite. Et s'il y a une limite, il y a une forme. Et est-ce que vous voyez une forme? Non. Donc c'est qu'il n'y a pas de limite. Et s'il n'y a pas de limite, c'est qu'il est un. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Il est marqué comme ça. Je suis Pasuk Zayin. Vous avez vu le Pasuk Zayin? C'est marqué « Vayetse Moshe l'ekrat rotnou ». Il est sorti Moshe à la rencontre de son beau-père. « Vayishtachou vayishaklo ». Il s'est prosterné, « Vayishaklo » et il l'a embrassé. « Vayishalou ishlereou l'eshalom ». Et ils se sont demandé l'un vis-à-vis de l'autre, « l'eshalom », ils se sont dit « bonjour ». Donc on voit qu'il y a beaucoup de côté amical, ouais, malgré que c'était son beau-père. Non, je gueule. D'accord? Non, je gueule. C'est parce qu'on sait que Adam Harishon, il a vécu 930 ans quand même. C'est énorme. Vous savez pourquoi il a vécu si longtemps? Parce qu'il n'avait pas de belle-mère. Alors, on y va. Non, je gosse. Alors, vaillez-vous à Oela. Donc, il l'a amené dans sa tente. Ouais, incroyable. Est-ce que c'est une preuve? Vaillez chalou et je l'ai réou les shalom. Donc, il a demandé, ils se sont dit bonjour et il l'a fait, vaillez-vous à Oela. Il l'a fait venir dans sa tente. Ça va? Vaillez sa père, Moshe les chotno. Et donc, il a raconté à son beau-père, et quand la chère Hachem les pharaons, tout ce qu'avait fait Hachem à Pharaon, ou le Mitzrayim et à l'Égypte.
Alodot Israël evet kolatela asher mitzatam. Donc alodot sur les louanges d'Israël evet kolatela asher mitzatam baderer, et toutes les pérégrinations, tout ce qui dépendait du chemin qu'il a raconté à Paro veyatzilem Hashem, et que Hashem nous a sauvés. Il nous a sauvés dans le désert, il nous a sauvés en nous proposant la manne, il nous a sauvés en ouvrant la mer Rouge. Voilà tout ce qu'il a fait. Ok, voilà tout ce qu'il a raconté. Tout ça, il a raconté. Vaïchad itro. Et la Torah dit Vaïchad. Vaïchad, Rashi donne deux explications. Soit il était content, Sameach. Sameach, ça veut dire qu'il était heureux. Soit Vaïchad, il a eu des frissons. À l'idée que quoi? Que finalement, l'Égypte a été détruite. Et c'est pour ça que l'Agmar a dit, là-bas, Rashi l'amène, qu'un araméen, quelqu'un qui est non-juif, 10 générations après sa conversion, il a encore de la peine de ceux qui étaient faisaient partie de son peuple. Incroyable. Et c'est pour ça que Yitro, Vaïchad, il a eu des frissons quand il a vu que toute l'Égypte a été détruite, ça l'a quand même touché. Malgré tout, il était peiné pour ceux qui étaient de l'origine de ce qu'il était, il a eu de la peine. Ouais. Maintenant, hein, Vaïchad. Donc deux explications. Soit il était heureux pour le clan Israël, soit il a eu de la peine par rapport au passé qui était le sien, qui a disparu. Tout ça, ça a disparu. Maintenant, il y a marqué dans la Torah, donc Vaïchad Yitro, Al-Kol HaTovah Asher Asa Hashem, sur tout le bien qu'avait fait Akadosh Baruch Hu, les Israël à Israël, Asher Itzilo Miyad Misraël, il les avait sauvés des mains de l'Égypte. Lui, il voyait la puissance égyptienne, il voyait que Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis de cette puissance, de cet étau énorme qu'il y avait contre soi. Vaïmer Yitro, Baruch Hashem, et là, il a dit Baruch Hashem, que béni soit Dieu, Asher Itzil Etrem Miyad Misraël, qui vous a sauvés de la main de l'Égypte, ou Miyad Paro et des mains de Pharaon, Asher Itzil et Aham Mitachat Yad Misraël, et qui a sauvé ce peuple, le peuple Mitachat Yad Misraël, de sous la tutelle de l'Égypte. Ata Yad Arti. Maintenant, je vais aller chez. Maintenant, je vais aller chez Darti. Non, Ata Yad Arti, maintenant je sais, qui gadol Hashem, que Dieu est grand, Mikol Elohim, de tous les dieux. Dieu est le plus grand de tous les dieux. Qui badavar Asher Zadou Alehem, à cause de la chose qui Zadou Alehem. Ils ont été contre vous, Zadou. C'est-à-dire de Mézid. Ils ont volontairement été contre vous. Mais Rachid expliquait que Zadou, ça veut dire que Hachem, il a fait que tout ce qu'ils ont fait contre les ministres s'est retourné contre eux-mêmes. Ça va? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y arrive un truc, il va arriver le contraire? Et pourtant, c'est arrivé comme ça. Donc, c'est qu'il y a une justice. C'est la logique de la justice divine. Vous avez compris? C'est là qu'il a compris que c'est incroyable. C'est impossible qu'un type, il ait voulu, je sais pas moi, il a voulu noyer les premiers-nés, ben c'est lui qui a été noyé. Tout ce qu'ils ont voulu faire contre nous, ça s'est retourné contre eux. C'est un peu un ou deux. Impossible. Donc, c'est-à-dire qu'ici, qui c'est qui peut faire ça? C'est pas cohérent. Vous comprenez ou pas? C'est pas cohérent. Donc, si ça s'est passé, c'est que ça a été pensé. Qui c'est qui a pensé ça? Hachem. C'est ça qu'il a eu aussi. Mais là-bas, il y a marqué qu'il a eu des frissons. Ah ouais. Bon, ça vous intéresse? Est-ce que ça se dit, ça se raconte? Non, c'est ce que j'aimerais savoir. Pour qui il a eu des frissons? Pour les deux. Les deux. Incroyable. A priori, dans le texte de la Torah, c'est plus que plus vis-à-vis d'Hachem. Il était content pour ce qu'Hachem a fait pour nous. Mais c'est marqué aussi dans les Chazal, Chachamim d'expliquer qu'il a aussi, entre guillemets, il a eu des frissons par rapport à ce qui s'est passé pour son peuple. Bon, mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. D'abord, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a besoin de rentrer dans sa tente? Pour lui raconter des choses, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de lui raconter quelque chose alors qu'il est convaincu? Quelqu'un qui a quitté le royaume, qui est venu dans le désert, qui a été retrouvé Moshe pour lui dire, écoute, j'ai compris, j'ai tout compris, je vais me convertir. Qu'est-ce que tu as besoin de lui raconter ce qui s'est passé alors qu'il est convaincu? C'est même vexant. C'est comme si tu disais, mais quoi, mais ça va, je suis convaincu, tu as besoin de nous raconter encore des choses. Bon. Pourquoi la Torah, elle nous raconte ça? C'est-à-dire que pourquoi elle essaie de nous faire croire qu'il avait besoin de nous raconter encore des choses? Et deuxièmement, pourquoi la Torah nous parle de l'effet que ça a eu émotionnellement sur lui? Pourquoi nous raconter ça? C'est des détails de la vie d'un homme qui s'est convaincu du judaïsme. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ces détails? En quoi ça nous, à nous, c'est marqué la Torah, à quoi ça vient répondre pour nous? Vous avez compris? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. En fait, il faut savoir qu'on doit être des penseurs. Il faut réfléchir, c'est très important. C'est très important de réfléchir. Maintenant, Yitro, il a fait teshuva intellectuellement.
Parce qu'il est en recherche d'Hachem, et il cherche des signes, et il voit des trucs, et il réfléchit. Il voit que bizarrement, il y a eu les plaies d'Égypte. Bon, c'est vrai, c'est un phénomène extraordinaire, mais bon, ça ne répond pas à tout. Parce que bon, dans chaque domaine qui s'est passé, ce Dieu-là, il est fort, c'est vrai, Razak. Mais est-ce qu'il est fort dans tous les domaines? Est-ce que c'est lui qui dit, c'est lui le capitaine du bateau? Et il a vu deux phénomènes qui ont été révélateurs qu'il est capitaine du bateau. Et là, ça l'a révolutionné. Et là, il a compris. Il a entendu, donc il a compris. Et là, il est vu ce qu'on va dire. Maintenant, donc ça veut dire qu'il est intelligent, il est intelligent, et il est logique, et il est honnête dans sa réflexion. Et, c'est un chercheur, Razakou Baruch. Razakou Baruch. Donc il est intelligent, Razak. Maintenant, est-ce que lui, il sert à rien, qui demain va arriver, hein, il va arriver, hein. Lui, il va jouer sur l'intellect, mais il va jouer surtout sur le cœur. D'accord. Donc les sentiments. Et nous, on a toujours expliqué ça, que les sentiments sont plus forts que l'intellect. Ouais, que la passion est plus forte que la raison. C'est vrai ou pas? Ouais. Alors, quelqu'un il va faire une avéra, c'est fort, c'est trop fort, c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à résister. C'est plus fort que quoi? Bah, que les moustiques. Ah ouais. Non. C'est plus fort, ouais, c'est plus fort que... que ce que je sais. Je savais, mais je n'ai pas résisté. Ça veut dire que je savais, mais je n'ai pas résisté. Donc on voit de là un principe fondamental, que la passion, elle est plus forte que ce que je sais. Or, si je m'arrête à ce que je sais, est-ce que ça va me suffire pour arriver à combattre mon Yitzhara? Non. Non, vous avez raison que non. Alors comment il faut faire? Alors, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut, c'est ça que Moshe Rabbeinu il a fait. Il a dit, tu vas rentrer dans ma tente. Je vais te raconter tout ce qui va se passer. Mais je vais te raconter jusqu'à ce que tu aies des frissons. Ça veut dire que tu vas ressentir quelque chose. Que la connaissance que tu as eue, elle n'est pas seulement reconnue dans ta tête, mais dans ton corps. Est-ce que ton corps, qui va être l'articulation du Yetzirah, qui va pouvoir être un jour dominant? C'est-à-dire, tu ressens la Torah, tu vis la Torah, tu frissonnes pour elle, tu frissonnes pour Hachem. Est-ce que tu es capable de frissonner? Alors je vais te raconter jusqu'à ce que tu frissonnes. Et là, tu frissonnes. Alors, c'est bon, j'ai gagné, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que j'ai la garantie que demain, l'Ulcerara, il va te faire frissonner. De l'autre côté, est-ce que tu as la force, toi, des émotions qui te disent, non, je ne peux pas, ça ne se fait pas. Ah non, je ne peux pas. Parce que j'ai d'autres frissons, moi, que j'ai reçus d'Hachem, et ça, je ne peux pas le trahir. Alors, j'ai la force, vous avez compris ce qui se passe? J'ai la force de pouvoir contrecarrer une émotion parce que j'en ai reçu une autre. D'aimer Hachem, ça me permet de ne pas le trahir. D'aimer Hachem, ça me permet d'avoir la puissance et la force de pouvoir accomplir sa volonté. De craindre Hachem, ça me permet de dire, c'est vrai, écoute, je suis désolé, je ne peux pas. La Hava et la Yira. La Hava, c'est l'amour, et la Yira, la crainte. Il faut ces deux choses. Parce que si tu ne l'as pas, le Yitzhara, il nous bouffe. Tu as compris? Tu as compris ou pas? Ouais. C'est important ce qu'il a voulu faire, nous faire comprendre. Et là, il a changé. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement changé parce qu'il a su. C'est-à-dire que quand on écoute un chiour, par exemple, on nous envoie des informations. Mais il faut qu'on ressente quelque chose. Il ne faut pas qu'on sorte d'ici si on n'a pas ressenti quelque chose. Parce que, bon, le Rav nous a appris des choses, Razak Ovalor. Mais de construire des personnes, construire des gens, ça passe par des émotions. Ça va? Si quelqu'un, il a eu l'information, mais il n'a pas l'émotion qui va avec, ben il n'est pas construit. Par exemple, je peux répéter à quelqu'un 10 fois la même chose, et je vois qu'il ne bouge pas. Et je lui dis, je vais répéter. Il a très bien compris, je ne suis pas idiot, et quand même, c'est l'inverse. Mais je dis, mais c'est 10 fois que je te répète. Et je t'avais prévenu, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ce qu'il a entendu n'est qu'une information qui est contraire à sa volonté. Et lui, il a ses intérêts. Et ses intérêts sont plus forts que l'écoute de la volonté des autres. Donc, mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je n'ai pas mis d'émotion dans ce que je lui ai dit, qui va contrecarrer la sienne. Alors il ne va pas m'écouter. C'est-à-dire que le combat entre l'Yetzeratov et l'Yetzara, il faut que l'Yetzeratov soit Tov. Ça veut dire quoi? Émotionnellement touchant. Mais s'il n'y a pas d'émotion, comment tu veux contredire une émotion? Ça va? Vous avez compris quoi? L'Yetzara, c'est l'émotion. Alors il faut que je ressente les choses. C'est pour ça que je dois être heureuse, je dois être heureux, je dois rechercher le bonheur, je dois toujours voir les choses du bon côté, etc., etc. Parce que c'est important que je le ressente. Parce que le ressenti,
Oui, c'est comme on dit, par exemple, on dit dans la, on, quand on souhaite des vœux au Khatanim, aux futurs mariés, ouais, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit « Shetivnu Bait Ne'eman B'Israël » que vous puissiez construire une maison fidèle en Israël. Ça veut dire quoi ? C'est bizarre que pour dire que vous soyez heureux, que vous fondiez un foyer, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit que vous fondiez une maison. Une maison. Non, c'est pas une maison, je m'en fous de la maison. Moi, avec ses enfants... Mais c'est pas une maison qu'on veut, c'est quoi ? C'est un foyer. Un foyer. Donc il y a une mishpacha. Mais pas une maison. Il dit que vous soyez, vous ayez le mérite de fonder une maison fidèle. Voilà en français ça veut dire. Pour une maison. Bizarre. Comme si que le repère c'était la maison. C'est quoi la maison ? Ben, la maison c'est une construction. Mais construire une maison, comment on fait ? Ben, il faut des briques, il faut des fenêtres, il faut des toits, il faut une toiture, il faut des tuiles. Ouais. On fait appel à monsieur Tuile pour nous faire la toiture. Ouais. Mais est-ce que je peux vivre sans toi ? Non. Est-ce qu'on peut vivre sans toi ? Oui. Mais est-ce que je peux vivre sans toi ? Sans toi. C'est dur. Ah. C'est bruit, voilà. Donc c'est ça. Donc pour éviter la pluie, il vaut mieux qu'on puisse. Ouais. Mais est-ce qu'on peut voler sans elle ? Non. Est-ce que c'est dur, fils ? Vous avez compris ? Donc c'est ça. Donc il faut des toits, il faut des trucs. Okay. Donc on a vécu ensemble des choses, ouais. Et on a mis des briques, et on a fondé des foyers, on a fondé notre foyer, on a mis des briques, on a mis des fenêtres, on a mis la toiture, on a tout mis. Et ça fait 10 ans qu'on vit ensemble et on a mis il y a les briques, il y a tout ce qu'il faut, il y a la fenêtre, il y a les rideaux, il y a tout ce qu'il faut. Et au moindre écart, tout s'écroule. On ne comprend rien, mais qu'est-ce qui arrive, tu vois ? Non, mais comment ça se fait ? Mais voilà, on a tout fait ensemble, on a tout vécu ensemble. Qu'est-ce qui manquait ? Les fondations. Ah, il manquait peut-être les fondations, vous avez raison. Parce que si j'ai fabriqué ma maison sur la terre, ben la terre elle bouge, hein. Et donc les murs ils peuvent tomber, c'est vrai, vous avez raison. Donc c'est les fondations. Il fallait d'abord creuser un trou. Ouais, le trou de la sécu. Non, il fallait creuser un trou, mettre du béton à la base de notre couple, ouais, et monter dessus quelque chose. Mais des fois, on fait vite fait, bien fait, il n'y a pas de fondation. C'est vrai, ça peut être des fondations. Autant que quoi, si on a mis des fondations, on a mis des briques, mais on n'a pas mis le ciment qui relie les briques. Ce serait quoi le ciment dans le couple ? Qu'est-ce qui va coller les pierres ? Les communications, l'émotion. Les émotions, ça veut dire que la colle. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que mais je croyais que tu m'aimais, mais tu m'aimes pas. Et comment tu me parles ? Et comment tu dis ? Le mur s'écroule. Mais qu'est-ce qui peut consolider ? Ben, ce qui va consolider, vous savez ce que c'est ? C'est en vérité le respect. Ce qui va consolider, c'est l'amour que j'ai de l'autre. C'est fort, ouais. Voilà. Que le respect suffit. Ouais. Ou d'être rassuré que mon mari m'aime ou que j'aime ou que je suis aimé par ma femme. Ça, c'est rassurant. Et donc, mais si je blague avec elle, je lui dis, ben, dis-moi, t'as grossi ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais. Eh ben, si on n'a pas construit quelque chose ensemble, elle va se vexer. Mais si on est rassuré, elle va en rigoler. Donc, si elle rigole, c'est que je suis rassuré qu'elle m'aime. Et si elle me dit, mais comment tu me parles ? Elle va commencer à se vexer. C'est qu'on n'a pas assez construit des choses. C'est-à-dire que la maison, elle n'est pas solide. Mais parce que qu'est-ce qui peut consolider notre relation ? Ben, c'est la confiance que je lui donne. C'est ça qui va consolider les murs. Qu'on soit zoré, qu'on soit méritant de construire une maison fidèle. Donc ce qui est marqué dans le texte, c'est clair que les émotions, c'est fondamental. Il faut qu'on ressente quelque chose ensemble, il faut qu'on vive ensemble, qu'il y a des sentiments qui sont partagés, et qu'on a peut-être peur aussi que, parce que les sentiments sont partagés, que quand on risque de les entamer parce qu'on a envie de dire quelque chose qui n'est pas forcément agréable à entendre, que ça peut entamer dans cet amour, dans la recherche de la relation. Et ça, hein, ça peut malheureusement faire des fractures. Donc on a peur de créer une fracture. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des gants, on fait attention, parce que j'ai peur que le ciment, il s'effrite et que les pierres, elles tombent. Et c'est ça qui est important. En tout cas, il faut des sentiments. Dans toute chose, il faut des sentiments. Dans la vie professionnelle, c'est pareil. Quand on aime son métier, ben, on est performant. Et quand on n'aime pas, ben, on regarde l'heure. Quand on est dans son couple, dans ses enfants, dans tout ce que vous voulez, c'est pareil. Il faut ressentir quelque chose. Et c'est ça qu'ici, il y a marqué. Il a entendu trop, mais il a réagi. Et ça n'a pas suffi parce qu'il fallait qu'il ressente quelque chose. Et c'est ce sentiment qui va le protéger un jour. C'est ça qui est marqué. Ensuite, c'est marqué juste après, c'est marqué la chose suivante. Alors, on y va. Donc, vous avez compris qu'il faut s'investir dans la Torah. Ça va ? Et c'est ce qu'a fait Yitro. Il n'a pas dit, ben ouais, la Torah c'est sympa, culturellement ça s'entend, ouais c'est logique. Non, il ne faut pas seulement penser que la Torah est logique, il faut être au service d'Hachem. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix dans la vie. Et ce choix, en fait, il est articulé non pas par la liberté qu'on a de faire ce choix, mais de savoir qu'on est assujetti à une volonté qui est celle d'Akadosh Baroukh Hou. Donc en vérité, j'ai plus le choix.
Voilà. Et en fait, j'ai pas le choix. Donc, si le Tzaharim me dit, mais fais vite ta vie, fais autre chose, je dis, je peux pas, je suis désolé, on est juif. On est juif, donc on est tributaire en vérité de la création d'Hachem et aussi de tout ce qu'ont fait nos ancêtres derrière nous et qui ont construit ce que nous sommes. Et ça, je peux pas le renier. Et ça m'appartient pas. Je suis pas propriétaire de tout ça. C'est important que vous compreniez ça. C'est un petit peu comme incroyable, mais il y a marqué dans la Gemara, dans Brachot, la Medbet, là-bas, c'est marqué que quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, ils ont fait le veau d'or. C'est pas grave, on va les détruire, ce peuple-là, et je ferai de toi une nouvelle nation, une grande nation. Bon. Je sais pas, imaginez-vous, Hachem, il vous dit ça. Bon. Vous dites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va naître vient de moi, et que le mérite de tout ce qui va naître sera pour moi. On est le nouveau Adam Arishon. Vous êtes le nouveau Adam Arishon. Ça va? Ça vous plaît ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il dit, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Avraham Yitzchak Yaakov? Que jour, tout ce qu'ils ont fait, c'est tombé à l'eau et c'est, on va recommencer. Je peux pas. Comment je peux pas? Vous imaginez, c'est bien. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il faut y avoir une humilité incroyable pour arriver à ne pas être subjugué par ce que j'entends et de penser à ceux qui vont être tributaires de mon choix et qui, eux, ils vont tout perdre. Mais moi, je sais d'où je viens. Je viens d'eux, donc je vais pas renier mon origine. Noé, il a pas eu la même. Non. Ça veut dire que lui, oui, parce que bon, après, il dit, je vais détruire et je vais reconstruire par toi. Mais Moshe Rabbeinu, la réaction qu'il a eue, c'est de dire, mais attends, mais tout ce que je suis maintenant, je le dois à eux. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Que tout ce que vous avez fait, c'est tombé à l'eau. Il a répondu, c'est ce qu'il a répondu dans la Gemara, c'est marqué, si déjà eux, ils étaient trois et ça n'a pas marché, alors moi qui suis tout seul, tu crois que ça a marché? Comme ça, il a dit, incroyable. Hein. Mais ça veut dire que vous comprenez qu'il faut avoir de l'humilité. Mais ça veut dire que quelque part, on s'engage. Regardez. Alors, et après, c'est marqué. Regardez, je vous lis le texte de la Torah. Regardez. Ouvrez la page 424. On est donc dans le deuxième, on est dans le 18e chapitre, Pasuk Yud Gimel. Donc, le 13e verset. C'est marqué Vaï Mimachorat, et c'était le lendemain. Donc, après tout ce qui s'est passé, on est le lendemain. Vaïechev Moshe, et a été installé assis Moshe, Lishpot et Aham, pour juger le peuple. Vaya Amod Aham al Moshe, et donc se tenait le peuple sur Moshe, Mina Boker à Daïrev, du Boker, du matin au soir. J'étais debout du matin au soir. Alors regardez Rashi. Regardez Rashi. Rashi se trouve 3-6 lignes avant la fin du texte de Rashi à gauche. C'est marqué Vayeshev Moshe en gras. Vaya Amod Aham était tenu et se tenait debout le peuple. Yoshev qui est Meler, donc lui était assis comme un roi, Vekulamandim, et tous les gens étaient debout devant le roi. C'est logique? Ok. Veuksha Davar le Yitro. Ça a été difficile à voir pour Yitro. Shaya Mezazel Bikvodam Shel Israël. Qu'il était, il dénigrait, Moshe Rabbeinu, le respect du clan Israël. Ça se fait pas d'être assis quand les gens sont debout. Et quand Yitro, il a vu ça de l'extérieur, il a dit, mais ça se fait pas. Ouais, ve ochicho alkar, et c'est pour ça qu'il lui a fait ce reproche. Chez Neymar, comme c'est marqué, Madoua tayoshev levadecha, pourquoi tu es assis seul, ve kulam nitsavim, et tout le monde est debout. D'accord? Ok. Donc voilà ce que dit la Torah. Donc il y a marqué que le lendemain, Moshe Rabbeinu était assis sur son trône, et les gens étaient debout du matin au soir. Et ça, ça déplut à Yitro. La Torah décrit simplement la situation, mais cette situation, aux yeux d'Yitro, elle lui déplaît. Et donc je continue le texte. Vayar Yitro, Moshe, ouais, Vayar, il a vu Yitro, Moshe, et Konacher Ouassé, Naam, tout ce que Moshe fait au peuple. Vayomer, il lui a dit, Ma Adavar Aze Acharata Ose. C'est quoi cette chose que tu fais? Madoua Tayoshev Levadecha, pourquoi tu es assis seul? Vekolaam Nitsa Valecha Minaboker Adaerev. Et eux, ils sont debout du matin au soir. Donc, selon l'explication de Rashi, ça veut dire qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais t'as pas honte? Tu es assis, ils sont debout. C'est ça qu'il lui a dit, oui, non? Très bien. Vayomer Moshe. Moshe répond. Les Chodois sont bien. Kiyavo et Layaram, Midrosh Elohim. Parce qu'ils viennent demander des questions d'Hachem. Oui. Kiyahi Elahem, Davar, Baelai. Que quand ils leur révèlent quelque chose entre eux, ben, ils viennent vers moi. Veshafati, Ben Ishu, Ben Reu. Et je juge les conflits qui existent entre les deux. Veodarti, Etrouke, et Elohim, et Todai. Et donc je leur apprends par ce biais-là les lois irrationnelles de la Torah et les lois rationnelles. Voilà, c'est un moyen de faire. Il a répondu à la question ou pas? Non. Ben non. Donc il a compris ou pas? Il a compris non, ou pas? Non. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ah, je sais pas. Parce qu'il a expliqué ça rationnellement et non. Il n'a pas compris puisqu'il a dit. Il a dit, mais pourquoi tu es assis?
à ta place et les gens sont debout. Ben, il dit, ben, je suis assis parce que je juge les gens, et les gens sont debout parce qu'ils respectent le roi, hein, c'est comme ça. Et quand ils ont des problèmes entre eux, ils viennent me voir, ils me consultent, et je réponds à leurs problèmes. Et je leur apprends la Torah en même temps. Bon, Vayomer Chotel Moshe, sur ce, le beau-père de Moshe, il va lui dire, Loto va d'avoir Asherata Ose. C'est pas bien ce que tu fais. Ça veut dire quoi? C'est pas bien. Ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Lotov? C'est pas bien. Mais ça veut dire quoi, Lotov? C'est le Yetzer, l'Otov. Ce qui est Tov, c'est Yetzer Atov. Et ce qui est pas bien, c'est Yetzer Ara. Il dit c'est Yetzer Ara ton histoire. Il trouve Yetzer Tshuva. Ouais. Et il lui donne des leçons. Ça se fait ou pas? Très bien. Il a dit Navol Tivol. Navol Tibol. Flétrir, tu vas te flétrir. Gamata ve Gamaram. Toi et même le peuple. Qui a Mecha Kaved Mimcha d'avoir. Parce que c'est trop lourd ce que tu portes. L'otuchal aseo levadecha, tu ne pourras pas le faire seul. C'est marrant, hein? L'otov levadecha. L'otov, ça n'est pas bien parce que tu es seul. C'est incroyable, hein? On a déjà dit au Kourna que c'est pas bon d'être seul. En fait, il a l'impression qu'il doit faire tout seul. C'est pas bien. Parce que seul, c'est pas possible. Attache ma bécoli. Écoute ma voix. On a expliqué dans les cours qu'il y a une différence entre le dibour et le col. Vous vous rappelez? Le dibour, c'est la parole et le col, c'est la voix. Mmh. On a expliqué que le dibour, c'est ce que la personne dit et le col, c'est ce qu'elle a voulu dire. Maintenant, il a dit, mais pourquoi tu es assis? Et les gens sont debout. Qu'est-ce qu'il a compris, Moshe? Il a compris, mais c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier? C'est quoi ton activité principale? Parce que tu es assis, il a joué, tu es assis, tu es debout. C'est ça qu'il a voulu dire? Non, c'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit, mais pourquoi tu es assis? Ouais. Et ils sont debout. Mais il a dit, mais il a voulu sûrement dire, qu'est-ce que je fais comme métier? Ben, je réponds aux questions des gens. Je dis, non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Écoute ma voix. Écoute ce que j'ai voulu te dire. Et il sera, je vais te conseiller. D'accord? Veille le Kimimar. Et Hachem sera avec toi. Et Yata, l'Aram, Moul et Elohim, et tu amèneras le peuple face à Dieu. Veveta ata et advarim el Elohim, et tu apporteras ses paroles avec Hachem, vers Hachem. Vizarta et tem et achukim et atorot veodata lahem et aderer yichuba. Que tu vas leur faire savoir et leur faire prendre des précautions sur toutes les lois de la Torah, et tu leur fasses savoir le chemin qu'ils devront emprunter pour réussir à faire ces mitzvot. Veta maase asher yasun et les actes qu'ils vont devoir accomplir. Veata techase mikol ha'am, et tu vas regarder dans le peuple. Anche chayil, des gens virtueux. Yire Elohim, qui craignent Hachem, qui craignent Dieu. Anche Emet, des gens Emet, des gens vrais. Soné Batsa, qui haïssent les intérêts et l'argent. Samta, Alehem, Sare Alafim. Et tu les placeras entre que ministres, entre princes, en fait, Alafim, milliers. Sare Meot, des centaines. Sare Hamishim, cinquantaine. Sare Asarot, dixième. Ça veut dire, il y avait 600 000 hommes. Et on va désigner parmi les 600 000 des rabbanim, des raves. Par milliers, par centaines, par cinquantaines et par dizaines. Mais non, quand vous divisez 600 000 par 1000, ça fait combien? Ça fait 600. Quand vous divisez 600 000 par 100, ça fait 6 000. Quand vous divisez 600 000 par 5, par 50, ça fait 12 000. Et quand vous divisez 600 000 par 10, ça fait 60 000. 60 000 plus 12 000, ça fait 72 000. Plus 6 000, ça fait 78 000. Plus 600, ça fait 78 600 personnes. Ça veut dire qu'on va te remplacer par 78 600 personnes. Wow. Ça veut dire qu'il a pris sur lui. Énorme. Maintenant, on lui a posé la question. Mais pourquoi tu es assis? Ça se fait pas ce que tu fais. C'est l'Otov. Qu'est-ce qu'il répond, Moshe Rabbeinu? Ben, il répond rien. Ça veut dire qu'il n'a pas la solution à la problématique d'être lui seul assis et les gens debout. Ça veut dire que l'Itzara, il peut me dire, écoutez-moi bien, Hachem, il m'a donné une fonction, c'est de recevoir la Torah. Et cette fonction, je peux l'établir en enseignant la Torah aux gens. C'est ça ma fonction, c'est vrai? Et bien, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis assis, ben, ils sont debout, ben, ils vont attendre, c'est normal. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis tout seul. C'est-à-dire que je peux argumenter religieusement quelque chose qui m'incombe, mais j'ai interprété que j'étais seul à devoir le faire. Est-ce que c'est ça qu'Hachem, il voulait? Bah, il me dit, c'est l'enseignant Torah, c'est ce que j'ai fait, j'enseigne tout seul, c'est normal. C'est ça qu'il voulait Hachem ou pas? Il s'est dit, mais c'est pas possible.
Parce que ce que tu fais, c'est irrespectueux de ce que tu vas voir. Parce que toi, tu es assis sur debout. C'est déjà un problème de respect des autres. Deuxièmement, tu dis, mais oui, mais j'ai pas le choix, qu'est-ce que je fais, je suis tout seul. Mais d'un autre côté, mais si tu es tout seul, tu te rends compte de ce que tu prends en charge? Le travail de 78 600 personnes, mais tu vas t'écrouler, tu vas te flétrir. Navol tibol. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire à Yitro? C'est intéressant, hein? Parce qu'on a dit que quand il a raconté à Yitro, tout ce qui s'est passé, il a eu des frissons. C'est-à-dire qu'il a fait appel à l'émotionnel de son corps. Et Moshe Rabbeinu, il ne tient pas compte de son corps. Est-ce qu'il est dans la mission qui est la sienne de pouvoir danser un Torah, mais il ne se rend pas compte que s'il va détruire son corps. Parce qu'à force d'être chargé de choses qu'il ne peut pas supporter, son corps, il dit, mais non, mais je vais résister. Combien tu vas résister? Tu vas exploser. Il dit, mais navol tibol. Toi et le peuple. Pourquoi le peuple? Parce que les gens, ils attendent du matin au soir. C'est que le type, il a une question, il attend Moshe Rabbeinu, il attend 10 heures. Il est dans la queue, comme ça, il attend. Bon, après qu'il a reçu sa réponse, il est contenté. Mais bon, bah, prochain, mais t'as attendu 10 heures pour avoir la réponse. Demain, t'as des questions encore? T'as des questions demain? T'as des questions? Est-ce que t'auras des questions demain? T'as plus de questions, y a plus de problème. Toi, si c'est pour attendre 10 heures, laisse tomber. C'est-à-dire que tu vas t'user et tu vas user. C'est pas bien. C'est quoi la solution? La solution. Hein? La solution, c'est de faire partager ce que tu sais. Ouais? Ça veut dire qu'il faut que tu délègues. Pourquoi des fois on n'a pas envie de déléguer? Quand on est chef d'entreprise, ou on est chef de je sais pas quoi, j'ai pas envie de déléguer. Pourquoi? Parce que je vais lui demander de faire quelque chose. Mais bon, s'il le fait mal, après il va falloir que je revienne dessus. Et ici, il le fait mal. À part, c'est les conséquences qui sait qui va les. C'est moi, laisse tomber, j'ai pas besoin. Ne fais rien, je fais tout. En fait, je fais tout, pourquoi? Parce que j'ai peur que ça ne réussisse pas. J'ai peur que je vais devoir refaire ce qu'il a fait. J'ai peur que. En tant que chef d'entreprise, c'est compliqué. Non. Parce que je suis le chef de l'entreprise. Parce que c'est mon organisation, c'est mon travail. C'est les retombées sont que pour moi. Et donc j'ai peur de déléguer parce que j'ai peur que ça soit mal fait et je préfère faire moi-même. Mais je ne me rends pas compte que je prends un charge, un travail qui est démentiel. Et en fait, c'est moi qui vais perdre. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ta tête, elle fonctionne sans arrêt. Mais est-ce que ton corps, il peut suivre ta tête? Elle ne peut pas suivre. Et les gens, ils tombent dans des formes de déprime parce que le corps ne suit pas ce que la tête pense. Et ça, hein, c'est le Yetzer Hara qui l'organise. C'est incroyable. Ça veut dire que tu peux être extrémiste dans ta façon de penser. Et le Yetzer Hara va dire, mais tu te rends compte la misère que tu fais, mais elle est extraordinaire, mais vas-y, occupe-toi, assieds-toi, c'est pas grave. Et de toute façon, t'as pas le choix, hein. Et assieds-toi, et vas-y, réponds aux questions. Il se rend même pas compte, la personne ne se rend pas compte qu'il y a remplacé 78 600 personnes. Et le Yetzer Hara dit, mais continue, pourquoi faire? Pour le détruire. C'est-à-dire que même le Emet, il peut être utilisé contre nous. Même la vérité, elle peut être utilisée contre soi. C'est ça qu'il faut comprendre. Au départ, on a dit que Moshe Rabbeinu, il a dit à Yitro, parce qu'il a eu peur que, étant un intellectuel, et que la passion est plus forte que ce qu'il va savoir, il va se faire manger par son Yitzhara. Donc il ne suffit pas d'être un intellectuel pour évoluer, mais d'avoir les émotions qui accompagnent l'idée que je développe. Parce que si tu ne ressens rien, demain tu vas ressentir quelque chose qui est contraire à ce que tu penses. Et tu vas dire, ben, j'ai pas résisté, c'était plus fort que ce que je savais. Donc tu vas dire que ce que tu sais ne suffit pas. Donc il faut que tu aies des émotions. Donc il dit, mais développe tes émotions. Et Moshe Rabbeinu, qui est un émotionnel fort, parce qu'il dit, mais moi, Hachem, il m'a demandé à moi, mais évidemment, j'ai l'amour d'Hachem, je vais servir Hachem, je vais tout ce que tu veux. Ça peut se retourner contre nous, parce qu'en fait, on va utiliser cette volonté pour arriver à nous détruire, parce qu'on est tellement débordant qu'on va prendre sur soi à charge des choses qui sont impossibles, et qu'on va dire, mais c'est normal, j'ai pas le choix, je suis obligé, et finalement, on va se détruire. Navol tibol, vous avez compris? Et c'est dans les deux sens. Là, il a voulu donner des émotions à son corps pour qu'il ressente ce qu'il a dit, et l'autre, il lui dit, mais ton corps, il te dépasse, et c'est lui qui te pousse à faire des choses par passion qui vont te détruire. Parce que si tu prends tout à charge, tu vas te détruire, tu vas te dépérir, mais on a besoin de toi, nous. Alors, c'est ce qu'on va faire. Les choses compliquées, tu vas les solutionner. Et les choses simples, les autres le feront. Combien? 78 600. On va gagner deux choses. Un, tu vas gagner ta santé. Deux, s'il y a des questions, ils ont des questions, ils ne feront pas la queue. Ils taperont à la porte d'à côté. Et ils trouveront quelqu'un, un rave, qui va leur répondre à leur question. Il y a 78 600. On va trouver. On évitera les queues. On évitera que les gens ne seront pas obligés d'attendre. Parce que c'est décourageant de devoir attendre pour avoir des réponses.
Et on a la proximité de la réponse. Et aussi, toi, tu vas garder la santé. C'est ça qu'il a dit. Donc, délègue. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Et c'est marqué que Moshe, il a entendu, regardez le texte. Après qu'il a lu tout ça, il a dit, c'est marqué, regardez, ouvrez la page. Page 428, c'est marqué, Pasuk Kavdalet. On tourne la page, deuxième verset. Vaishma Moshe, les kolchotno. Et il a entendu Moshe, la voix de son beau-père. Vaïaas, Kacher Amar, il a fait comme il a dit. C'est quoi la voix? Il a finalement compris ce qu'il a voulu dire. Ça veut dire qu'il y a deux formes de logique. Il y a la logique engageante et la logique administrative. Et il trouve c'est un administrateur. Et ça, c'est pas quelque chose qui rentre, qui était dans les critères de Moshe Rabbeinu. Lui, il s'engage dans tout ce qu'il fait, il s'engage, etc. Il prend en charge tout ce qu'il veut faire, il prend un cœur tout ce qui se passe et tout. Voilà. On dit, fais attention parce que ça peut être dangereux. Parce que tu peux être passionné par ce que tu vis et en être tributaire. Et en vérité, le Yitzhak va l'utiliser contre toi. C'est comme le judo. Ouais. Un type, il saute dessus, ouais, le judo, et lui, il le prend dans son élan et hop, il l'envoie contre le mur. J'utilise sa force contre lui. C'est du judo. C'est pareil. Le Yitzhak, il dit, mais j'utilise, le Yitzhak peut utiliser notre élan contre nous-mêmes. Donc il faut savoir écouter les autres. Vous savez, écoutez-moi bien. Je sais ce que j'ai envie de faire. Seulement, je suis convaincu que ce que je fais est bien. Donc, Moshe Rabbeinu, il est convaincu que ce qu'il fait est juste. Seulement, les gens qui sont de l'extérieur, ils voient différemment. Soit ils ont tort, soit ils ont raison. Il faut toujours avoir peur de ce que je fais. Être à l'écoute de ce que les gens vont me dire. Parce que s'ils ont raison, tu te rends compte? Donc, j'ai peur de me tromper. Parce que la différence, c'est quoi? C'est que moi, je suis un passionné, moi. Mais je ne vois pas de façon objective ce que je fais, parce que je suis passionné. Tout est subjectif. Mais la personne qui est dehors, qui ne vit pas la mienne, elle ne vit pas ma vie. Elle n'est pas dans ma passion. Donc elle peut voir de façon objective, elle voit à l'extérieur, elle voit, je suis assis tout seul et tous les gens sont debout du matin au soir. C'est une chose que je ne vois pas parce que moi je suis prisonnier de ce que je fais. Je ne me rends même, peut-être même pas compte de ce que je fais, de ce qui se passe autour de moi. Donc il faut être à l'écoute. Il ne faut pas se dire, mais il ne comprend rien, celui-là, il n'a rien compris. Qu'est-ce qu'il m'a insulté? Il m'a dit, mais c'est pas bien ce que je fais, ça ne se fait pas. Et je suis tombé dans le piège du Yitzhak. Il dit, mais comment il te parle? Il te dit, c'est pas bien. Mais d'où il sort celui-là? Pour te dire à toi que tu fais pas bien les choses. En fait, c'est un piège. Il faut être à l'écoute de ce qu'on entend de l'extérieur. Parce que ce qui entend, ce qui se passe à l'extérieur fait partie d'une chose que je vis à l'intérieur. Moi, je suis à l'intérieur du système. Je ne vois pas l'extérieur. Donc, c'est important que les gens qui sont à l'extérieur me disent des choses parce que moi, je suis pas forcément capable de les voir. C'est ça qui est marqué. Et Moshe Rabbeinu, il a été d'accord d'entendre parce que le premier blocage, c'est de ne pas écouter les gens. D'accord ? Et là, c'est important que moi qui suis de l'extérieur, je peux conseiller à personne parce que celle qui le vit de l'intérieur, elle ne se rend pas compte. Et c'est important qu'il y ait toujours ce recul. Et c'est important que je le sache, comme Moshe Rabbeinu, il a su écouter son beau-père, celui qui a un regard extérieur. Et il a dit, ah oui, tu as raison, j'avais pas de solution à ce problème, et tu m'as aidé en me donnant cette solution. Ou alors, il aurait pu l'envoyer balader. Bah oui. Parce que qu'est-ce qu'il comprend là, non, mais surtout quelqu'un qui a investi dans une mission, ouais, comme la sienne, il dit, mais attends, il m'a dit l'automne, il ne se rend pas compte, les gens, c'est de la Torah aux gens, bah bien, ouais. Je vous fais en tunisien, comme ça, vous comprenez. Parce qu'il a délégué. C'est bon, il aurait pu ne pas comprendre, mais il aurait échappé à quoi? C'est-à-dire qu'en l'écoutant, il a été d'accord de l'écouter, c'est-à-dire qu'il a eu peut-être eu peur de se dire, mais attends, peut-être qu'il a raison, je ne sais pas. Ouais. Je vais l'entendre, je vais l'écouter. C'est très difficile, ça. Parce que quand on est quelqu'un d'engagé, c'est difficile. Mais c'est ça qu'il faut entendre, vous avez compris? Il a entendu la voix de son beau-père. Très important. Pourquoi ça démarre comme ça dans la paracha? Il y a l'écoute de Yitro, qui l'a révolutionné, et l'écoute de Moshe Rabbeinu, qui a écouté la voix de son beau-père. Très bien. Avancez, on avance. Ensuite, c'est marqué, et voilà. Ouvrez la page 432. Ou peut-être un petit peu avant. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le pasouk, page 430, pasouk Zayin. Va yavo Moshe. Donc, est arrivé Moshe. Va yikra les Igneam. Il appelait les sages du peuple. Va yassem lifneem et kol advarim aile. Il a placé devant eux toutes les paroles qu'il avait entendues à Shir Tziva Hashem qu'il avait ordonné à Kadjbourou. Vayaranu kolaam, et ont répondu tout le peuple, l'Yardav ensemble, Vayomou, ils ont dit, Kol Asher diber Hashem, naase, tout ce que nous dira Hashem, on le fera.
Ça veut dire, on accepte de faire tout ce que Dieu nous demandera de faire. Vayachev Moshe et Ivraham, la Hachem, et donc il a renvoyé ses paroles, il a répété ses paroles, Moshe à Kadesh Boko en disant, voilà, ils ont accepté ce que tu as dit. Vayemer Hachem et Moshe, iné anochi ba'elecha ba'et ba'aveanan. Il dit, Kadesh Boko a dit à Moshe, je vais apparaître dans une colonne de nuée, ba'avour ishma aam bidivre ima, ba'avour ishma aam bedabri imar, afin que le peuple écoute ce que je vais te dire. Vegam becha yaminu leolam, et en toi ils croiront à jamais. Vayagad Moshe a dit vrai à Aam et Hachem, et donc il a répété Moshe ce que lui avait dit Hachem au peuple. Vayomer Hachem et Moshe, lech el Aam, vekid dashtam ayom. Va et sanctifie-les. C'est quoi sanctifier? Ça veut dire purifier-les. Ou machar, vechib besus limotam. Et demain ils laveront leurs vêtements. C'est quoi le lavage du vêtement? C'est les rendre purs. On se prépare à recevoir la Torah. C'est pas comme ça, on vient à la Torah, on écoute la Torah, non. On se prépare. On dit, on va écouter quelque chose de fondamental qui est kadosh. Quoi kadosh? Spécifique. C'est ça qui est kadosh. Il y a quelque chose de spécifique dans le message d'Hachem. Alors je me prépare à l'idée d'écouter quelque chose qui va forcément changer ma vie. Et je vais nettoyer mes vêtements. C'est quoi le nettoyage? Je pense que le nettoyage du vêtement, quand on se trempe au mikvé, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ouais, on nettoie. C'est quoi nettoie? Si se nettoie, c'est ton frère. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On nettoie. Ouais. Non, mais on nettoie. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Quand on fait teshuva, ouais, est-ce que la teshuva, ça transforme les personnes? Ou ça nettoie les personnes? Ça nettoie. Ça nettoie. Par exemple, j'ai de la vaisselle, elle est sale. Bon, ben, je passe de l'eau dessus, ça enlève la saleté. Mais est-ce que ça transforme l'assiette? Non. Est-ce que la teshuva nous transforme? Elle nous transforme ou elle nous nettoie? Voilà. J'ai un problème. Avant, il n'était pas religieux. Voilà. Il avait des principes, il avait des idéaux, il avait des. Voilà. En fait, c'est ça qui l'empêchait de croire en Dieu. Et ben, tout à coup, il avait un phénomène incroyable, la mer rouge, etc. Waouh, ça l'a complètement nettoyé. Ça veut dire que ça a éliminé tout ce qu'il avait au départ pensé pour croire en Dieu. Mais est-ce que. Mais non, Yitro, c'est un Tamit Racham. Il connaît toute la Torah. Il ne connaît rien. Seulement, ça a nettoyé ce qui l'empêchait de rentrer dans la Torah. Avant, il ne pouvait pas rentrer dans les synagogues. Voir un rabbin, c'est même pas possible. Il a fait des chouvas, donc il peut voir les rabbins, il peut voir les synagogues, il peut rentrer, il peut prier. Mais est-ce qu'il est un érudit de la Torah, celui-là? Non. C'est-à-dire que la teshuvah, ça nettoie, mais ça ne permet pas d'accéder à la connaissance. Il faut maintenant commencer sa vie, c'est là que ça démarre. Avant, je ne pouvais pas, parce que j'avais des boulets au pied qui m'empêchaient d'avancer. Mais tu as cassé des boulets, tu as enlevé, tu as nettoyé. Il faut, pour pouvoir rentrer dans la Torah, il faut se nettoyer. Ça va? Comme c'est marqué. Là-bas, c'est marqué dans le buisson ardent. Vous vous rappelez, dans le buisson ardent, Hachem, il a dit à Moshe, Shal na'alecha, me'al raglecha. Shal na'alecha, retire tes chaussures de tes pieds. Qui a makom chez Ataromed Alav, parce que l'endroit où tu te tiens, l'endroit où tu te tiens, Admat Kodeshu, c'est une terre sainte. Donc il fallait enlever ses chaussures à l'endroit où se trouvait. Bon, ça, c'est le sens littéral. Mais en vérité, le sol, le secret de ce qui est marqué. Vous savez que dans la Torah, il y a des secrets. Pas secret, hein, secret. C'est quoi le secret? C'est quoi les chaussures? C'est quoi les pieds? C'est quoi la terre? Mais non. Il faut savoir que la partie la plus élevée de l'être humain, c'est son cerveau. La partie la plus basse, les pieds. Bête comme les pieds. Et les pieds touchent la terre. C'est la plus bassesse des. Maintenant, entre les pieds et la terre, il y a les chaussures. C'est quoi les chaussures? Les chaussures, c'est les midotes. Ça veut dire les défauts. Hachem, il a dit à Avraham, à Moshe Rabbeinu, si tu veux qu'on se retrouve, il faut que tu enlèves tes chaussures. D'abord, enlève tes défauts. Et tu vas te rendre compte que l'endroit où tu te trouves, il est kadosh. Avant, je ne voyais rien. Mais il fallait que je me retire de tous mes défauts. Je nettoie ces défauts, je retire mes chaussures. Et quand tu les enlèves, tu vas te rendre compte, mais je n'avais même pas remarqué que c'était sain ici, je n'avais pas remarqué. Mais pourquoi? Parce que, obstrué par ce qui m'empêchait de voir. Alors, nettoie tes lunettes. Tu nettoies tes lunettes, et tu vois, je n'avais pas remarqué que c'était si. Il faut nettoyer, c'est ça la douche. Il faut que tu te prépares. Combien de jours? 3 jours. Donc c'est marqué, Vayon echonim yom hashlishi. Et vous serez prêts le 3e jour. Ki bayom hashlishi yered Hashem le anekolam. Parce qu'Hashem il va descendre sur la terre et vous verrez, tout le peuple verra. El har Sinai sur le mont Sinai. Vig balta et ta'am. Et tu vas séparer le peuple, sa vie, les morts. Ishmeru lachem alot be'ar anogia bikseu, kol anogia be'ar amet mevutumat. Attention, il va falloir vous séparer de la montagne où je vais apparaître.
Parce que tout celui qui dépassera la frontière que je vais établir, il va mourir. Bon, il y avait une kedusha exceptionnelle. L'otigabo yad, qui s'accolait sa kadaché. D'accord ? Ensuite, il est marqué, donc, vaïred Moshe Minahar. Donc, Hachem, il a fait appeler Moshe. Donc, il y a eu un chauffard, Gadol, un grand chauffard. C'est ça le chauffard à Yovel. Un grand chauffard, un son du chauffard spécial. Vaïred Hachem, Moshe Minahar. Donc, il est descendu Moshe du message qu'il avait reçu d'Hachem et il a préparé les Israël à la réception d'Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï. Vaïomer El Ham. Et Yun et Chronil Shetamim, préparez-vous pendant 3 jours. Al Tigashu Laisha, ne rencontrez pas vos femmes. Il fallait se séparer de sa femme pendant ces 3 jours-là, pour recevoir la Torah. Vaï Baï Mashlishi, voilà qu'on était le 3e jour. Biyot Aboker, c'était le matin. Vaï Kolot Uvrakim, il y a eu des tonnerres, des éclairs. Ve'anan Kaved Alahar, il y avait une colonne qui était pesante sur la terre, sur la montagne. Ve'kol Shofar Hazak Meod, et le son du chauffard, il était très très puissant. Vous savez que ce son du chauffard, ouais. C'est le don qu'on écoutera à l'avenue du Mashiach. Veitaka Bechofar Gadol. Il sonnera un grand chauffard. Ça veut dire qu'on entendra un bruit très fort, sans interruption, très puissant. C'est ce même chauffard. Veicherad Kolaham. Et on tremblait tout le peuple. Asher Bamachane qui se trouvait dans le camp. Veyotse Moshe Alaham, les Krat Elokim, Minahamachane, Veitsatzvu Betartitar. Ils étaient debout. Au pied de la montagne. Ve Arsinaï Ashan. Et le Arsinaï était enfumé. Kulo Mipne Asher Yarad Alav Hashem Baesh. Hashem est descendu par le feu. C'était enfumé. Vayal Ashano. Et monté la fumée. Ke Ashan Akivshan. Comme la fumée d'un four, de la fournaise. Vayherad Kolahar Meod. Et la terre, la montagne, elle tremblait. Et Meod, énormément. Il y a eu un tremblement de terre. Vaïkol à chauffard au l'air vers Hazek Meod. Et ce son du chauffard était en grandissant. Moshe idaber vaïlokim et bekol. Et donc Moshe parlait et Hachem lui répondait bekol par sa voix, par la voix. Vaïred Hachem el ar. Et donc Hachem est descendu à l'ar Sinaï, sur le mont Sinaï. El roche à ar, au sommet de la montagne. Vaïkra Hachem le Moshe. Et Hachem a fait appeler Moshe à la roche à ar, au sommet du mont. Vaïal Moshe et Moshe Ramel. Vaïmer Hachem el Moshe, red. Aed Baam Peniarsu, va descendre et témoigne sur le peuple Peniarsu et Hachem, de peur qu'il se détériore avec Hachem, Olirot Venafal Memenurav, et que beaucoup vont tomber. Vérifie qu'ils ne vont pas monter avec toi. Vega Makoanim Anigashim et Hachem, et même les Kohanim qui se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu, il Kadeshu Penifros Baem Hachem, qui se séparent de peur que Hachem fera une fracture en eux aussi, Chas Veshalom. Vaïmer Moshe Hachem, personne, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne, qui atteint Aedota Banu Remor, parce que tu as déjà prévenu en nous disant Akbel et Ahar Vekadesho. Ouais, mettez une frontière à la montagne pour ne pas, sanctifier là, pour ne pas y monter. Vaïmer Elav Hachem, l'ech red vers l'ita et Aaron, et Mecha, et Koni, et Aam, Vaïnyarsu, et Alot, et Hachem, et Kifros, Bam. Vaïmer Moshe Hachem, Vaïmer Alem. Et sur ce, Hachem va parler au clé Israël en disant. Vaïdaber Elohim et Kol Advarim Aele les morts. Vaïdaber Elohim et Kol Advarim Aele les morts. A dit Hachem ses paroles, les morts en disant. Et Kol Advarim. C'est quoi toutes les paroles? Rashi. Kol Advarim. Regardez Rashi, on est 4 lignes avant la fin du texte de Rashi. C'est marqué, mais la Med. Pourquoi Kol Advarim, toutes ces paroles? Vous voyez la colonne de gauche, mais la Med, ça nous apprend. Chez Amar HaKadosh Baruch Hu, Aseret Adibrot. Il va dire les 10 commandements, Bédibour Echad. En une seule parole. Mashayev, Charles Adam, le Marken, ce qu'aucune personne ne peut dire. Est-ce que vous pouvez dire 10 en une? Vinken, si c'est ainsi, Matalmud Omar, Od, Anochi, Hashem, Elokich, Yelecha. Après, c'est marqué Anochi, Hashem, Elokich, Hashem, Rositram, Yusraim. Pourquoi Hashem, il avait déjà tout dit, pourquoi il a répété ce qu'il avait déjà dit en une seule parole? Chez Khazar ou Piresh Alkol Dibo Vedibo Bifnatsmo. Après, il a explicité ce qu'il avait dit au départ, une chose par l'autre, après l'autre. Il a tout dit, et après, ce qui est impossible de faire, et après, il a dit ce que je vous ai dit, c'était ça, ça, ça. Ça veut dire qu'il a dit quelque chose qui était inintelligible. Ouais. Parce que nous, on ne peut pas faire. Il a fait. On n'a rien compris. Parce qu'il bégaye. Non, on parle d'Hachem. Il a dit 10 paroles en une seule. Ce qui est impossible de dire. Ça va? Et après, il dit, vous savez ce que je vous ai dit? Ah ben, je vous ai dit ça. Il a décanté tout ce qu'il avait dit
Pourquoi il a parlé comme ça à Hachem? Pourquoi il a dit 10 en 1, ce qui est impossible d'entendre? Ça veut dire, c'est inintelligible. Pourquoi il a dit blablabla, on n'a rien compris. Et après il dit, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit ça. Pour qu'on ressente et pas qu'on intellectualise. On ne ressent rien parce qu'on n'entend rien. Il a dit quelque chose qui est inintelligible. Tu vois, vous avez raison, c'est bizarre. Comme si il parlait autre chose que... Que la langue... Attendez, humainement, c'est pas possible d'entendre 10 en 1. Il a dit que pour Moshé, c'est tout, il n'a pas dit pour les autres. Il a parlé au peuple. Là, ce qui s'est passé, là, on est quelle date, là? Parce qu'il y avait tout Bishvat, il y avait la figue, il y avait la date. Là, on est quelle date, là? Quelle date? Il y a Kippour, non? On refait la Torah? On n'est pas Yom Kippour. C'est incroyable, mais c'est quoi ça? C'est quoi les 10 commandements? C'est décalé c'est dans ça, la Torah, vous avez vu que c'est décalé? On est quelle date? Non, Jinsan, non. Le 6 Sivan. Le 6 Sivan, c'est le jour de Shavuot. Quand on fait Shavuot tous les ans, c'est le 6 Sivan. C'est le jour, on dit le jour du matin de Torah. Le jour du don de la Torah. Mais quelle Torah? On a reçu la Torah là? Non. Quand est-ce qu'on va recevoir la Torah pour la première fois? Là, le 6 Sivan, qu'est-ce qui s'est passé le Sivan? Le 6 Sivan, Hachem a dit les 10 commandements. On a reçu quoi? On a reçu? La Torah. Zéro. Dites zéro. Zéro. Moshe Rabbeinu, le lendemain, il est monté sur le mont Sinaï pendant combien de jours? 40 jours. Il est redescendu au bout des 40. On était quel jour? 17 Tammuz. Là, on a reçu les tables de la loi. Mais là, on n'a rien reçu du tout, là. Il s'est juste révélé au monde, Hachem. Depuis ce jour-là, on ne peut plus douter qu'Hachem existe. Avant, tu dis oui, peut-être, non, bébé, bébé, bébé. Là, tu ne peux plus douter. Ça va? Après, c'est plus possible. C'est compris. Mais c'est important que vous compreniez que le 6 Sivan, Hachem se révèle au monde. Ça veut dire que là, il s'est passé un truc incroyable. Pourquoi c'est le mont Sinaï? On a expliqué parce que le monde de la haine. Hachem lui a dit, voilà, j'ai choisi mon peuple, c'est vous. Et les autres, ils ont dit, mais vous, c'est dur, hein, c'est dur. Mais ça ne veut pas dire que Hachem a abandonné les autres. C'est pour dire qu'on a une fonction différente et que chacun a joué au vent, c'est tout. Mais ça veut dire que ça crée de la haine parce que ça est mal compris. Et ça, on peut, voilà. Mais Hachem, il a dit tout en un, peut-être pour expliquer comme ça. Plusieurs explications possibles. Peut-être qu'Hachem, en fait, il s'adresse à moi parce qu'il va dire 10 en 1, parce qu'il faut que tu saches. Il y a quelque chose de divin en toi qui a compris ce que tu n'as pas compris à cause de ton corps. Alors je vais m'adresser d'abord à ta neshama. Mm-hmm. Et après je vais m'adresser à ton corps. Un petit peu comme. Quand on est dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue au ping-pong? On apprend toute la Torah. Et vous savez que même scientifiquement c'est prouvé qu'ils n'ont rien compris, que les connexions cérébrales, elles sont énormes dans l'embryon, quand on est dans l'embryon dans le ventre de sa mère. Et tout le cerveau, il fonctionne à une vitesse incroyable. Ah. Et on ne sait pas pourquoi. Nous, on sait pourquoi. Parce qu'on apprend toute la Torah. Comme si Hachem avait déjà tout dit dans le ventre de notre mère. Et après, quand on va naître, il faut retrouver, eh ben, il faut étudier chaque page, et chaque truc, et chaque truc. Vous avez compris ce qui se passe? Comme si Hachem s'adressait à nous intérieurement pour qu'on arrive à se rappeler de ce qu'on était un jour. Et donc, tous les jours qu'on étudie la Torah, les codes Shurim, en fait, on va essayer de se rappeler de ce qu'on a été un jour. C'est la personne qu'on doit atteindre, c'est celle qui était embryonnaire. C'est elle la vraie personne. C'est elle qu'on va chercher à être. La tzadikette, c'est celle qui est dans le ventre de sa mère. Le tzadik, c'est celle qui est dans le ventre de sa mère. C'est cette personne qu'on retrouve. Maintenant, on a oublié. Alors, il faut réétudier mot à mot chaque chose qu'on a apprise et qu'on doit se souvenir de ce qu'on avait. Mais en vérité, on n'a pas besoin de nous convaincre parce qu'on l'a en nous. C'est pareil. Hachem a tout dit en une fois. Un, pour dire que je suis Hachem. Donc ça veut dire que j'ai tout dit en un, est-ce que tu peux tout entendre en une fois? Non. Ah, tu dis, mais j'ai pas compris. Mais sache que dans ta vie, tu vas pas forcément comprendre, mais tu vas être ma'amine que même si tu ne comprends pas, c'est Hachem qui t'a dit. Parce qu'il a dit tout en un, ce que tu peux pas comprendre. Je dis, alors t'as compris ce qu'il a dit? Non, on fonctionne pas de la même manière. Il a une façon de comprendre les choses que tu ne comprendras jamais. Seulement, c'est pas parce que t'as pas compris que tu vas refuser. Et je vais t'expliquer ce que je t'ai dit. Maintenant, je vais te le dire. Anochi, Hachem, Elokecha, Hachem, Etzirem, Yisraël. Vous avez compris? Donc, Hachem, il a tout dit en un. Et après, et on a pu. Donc, on a tout entendu sans avoir compris. Et après, il a décanté chaque sept commandements qu'il a voulu dire. Ensuite, c'est marqué, regardez ce qu'il y a marqué plus tard. Donc, on va dire les 10 commandements.
Ok, je passe page 440. Donc on est dans le 20e chapitre, Pasuk Tet Vav. C'est le chevilly de la paracha de Yitro. C'est marqué Vekol Aram Roim et Takolot. Vous avez vu? Et tout le peuple ont vu les colottes. C'est quoi les colottes? Les voix. Les voix. Et Talapidim. C'est quoi l'épidime? Ben c'est toutes les flammes. Ouais, va être col à chauffard et le son du chauffard. Vetahar. Est-ce qu'on peut voir le son du chauffard? Non, on l'entend. Rachid. On fait Rachid. Regardez Rachid. Pasuk Tet Vav, on est dans la première ligne de la colonne de gauche. Vekol Aham Roim. Et tout le peuple le voyait. Melamed, Shelo Aya Baem Echad Tsuma. Personne, il n'y avait pas d'aveugle. Ouais, ou Binaim Shelo Aya Baem, etc. Après, il y a marqué Etakolot. Regardez Rashi. Roim et Akolot, on est la troisième ligne de Rashi. Roim est un Ishma. Ils ont vu ce qui s'entend. Vous avez vu ce qui est marqué dans Rashi? Ils ont vu ce qui s'entend. Ce qui est impossible. Ben, c'est-à-dire que notre corps, il n'en est jamais faisait qu'un. Ouais. Mais ça veut dire quoi de voir ce qu'on entend? C'est que j'ai compris. C'est que j'ai compris. Est-ce que c'est pas ça qui était marqué au départ? Moshe Rabbeinu, il a entendu la voix de son beau-père. Yitro, il a entendu ce qu'a dit Hachem. Il a entendu quoi? Deux événements. Est-ce qu'il a finalement pas vu ce qui s'entend? Vous savez pourquoi j'arrive pas à entendre? J'arrive pas à voir. Parce que cette écoute, je l'ai pas. Je l'ai pas, donc j'arrive pas à voir ce que tu dis. Mais quand je rentre dans la Torah, dans les mitzvot, et bien tout à coup j'arrive à voir ce que j'entends autour de moi. J'arrive à voir ce qu'Hachem il voulait me dire. Vous avez compris ça? Il m'arrive quelque chose, j'arrive à voir ce qui est marqué. Ils ont vu les sons, ils ont vu la voix d'Hachem. Le chauffard. Peut-être que le chauffard, vous savez ce que c'est que le chauffard? En hébreu, chauffard, ça vient de quelle racine? Chaper. Ouais, les chaper, en hébreu, ça veut dire embellir, bonifier. Vous savez que peut-être que le chauffard qu'on va entendre à la fin du Mashiach, vous savez ce que c'est, le chauffard? Ben, c'est tout ce qu'on a réussi à faire de bien. Tous les cris qu'on a poussés vers Hachem. Toutes les voies qu'on a essayé de dévoiler aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a été en fait. Le chauffard, c'est la résultante de tout le bien qu'a réalisé l'humanité derrière nous. Et c'est ce son qu'on va entendre. C'est ça l'échapper. Ça, c'est vrai au jour du matin de Torah. C'est vrai à la fin des temps, ça sera pareil. Que toute la détresse qu'ont eu les gens dans la vie, ils ont crié vers Hachem. Et tout ça, ouais, ou tout ce qu'on a réussi à faire de bien dans sa vie, tout ça, c'est ce qu'on récupère. Et c'est ça qu'on va entendre. C'est ça qui va nous délivrer finalement. Qui va finaliser à la fin du temps, la fin des temps. On a vu des colottes. On a vu ce qui s'entend. Ça veut dire qu'il faut être capable, non pas d'entendre ce qui se dit. Il ne faut pas entendre les paroles des gens, mais il faut entendre le son. Ce qui ne se voit pas en fait. C'est-à-dire que ce qui est dans l'esprit de la personne. On a vu ce qui s'entend. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'entends? Ben, j'entends des mots. Aseret Adibrot, c'est les 10 paroles, les 10 commandements. Mais est-ce qu'ils ont vu des paroles? Ils ont vu des commandements, ils ont vu des paroles ou ils ont vu des sons? Ils ont vu des sons. Ils ont vu ce qu'Hachem a voulu dire. Très important que vous compreniez dans la vie qu'on n'écoute pas les paroles des gens. On écoute ce qu'elle a voulu dire à la personne. On écoute ce qu'Hachem il voulait dire. Le Yetzera, il va nous faire entendre ce qu'on a entendu. C'est comme tous les exemples qu'on a cités dans tous les cours qu'on a cités. À chaque fois, le Yetzera, il est logique. Il te dit, imaginez-vous, Yaakov Avinu, sa future femme, elle a donné des signes à sa sœur. Ben, j'entends ce que je vois, je vois une femme qui trahit son mari. Hachem dit, ne regarde pas ce que tu vois, essaie de comprendre ce que ça cache.
Essaye d'entendre ce qui ne se voit pas. Ce qui s'entend. Est-ce qu'elle est folle, Rachel? Non. Est-ce que c'est une fille qui va te tromper? Non. Alors, essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, tu as une question. Je dis, ben, laisse-la t'expliquer. Vous avez compris ce que je veux dire? Le Yetzerara, il va nous faire croire que ce que tu vois est juste. Et c'est logique. Ouais. Et en vérité, il faut que tu t'habitues, non pas à voir les mots que représente la réalité, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette réalité? Ce qui ne se voit pas. Vous avez compris ça? Très important de comprendre. Par exemple, dans la communication, en couple, il y a toujours des problèmes en fait, qui viennent du fait que bah, en fait, on écoute les gens, on écoute les paroles, et on n'écoute pas forcément ce que la personne veut dire. Ça, c'est un problème. Et on se dit, mais et la personne, elle va comprendre comme ça, ouais. Comme Moshe Rabbeinu, son beau-père, il lui dit, mais pourquoi tu es assis et les gens sont debout? Il dit, ben, il croyait qu'il avait dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie, quoi? Je dis, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est pas ce que je voulais te dire. Je lui dis, mais comment ça se fait que tu es assis et les gens sont debout du matin au soir? Ça se fait pas. Vous avez compris? Le vouloir dire, c'est très important de comprendre ça. C'est ça la Torah. La subtilité des mots de la Torah. Vous avez des mots dans la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, des fois, ça veut dire le pshat, le sens littéral. Des fois, c'est l'allusion qui est marquée derrière. Des fois, c'est la dracha qui est marquée là. Et des fois, c'est le secret qui est marqué derrière. Mais qu'est-ce que tu vois, toi? Ben, tu vois les mots. Mais des fois, les mots, ils veulent dire autre chose. Il lui dit, mais pourquoi tu es assis? Il dit, mais pourquoi je suis assis? Parce que je suis le roi, je m'assois. Mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Pourquoi tu es assis? Les gens sont debout. C'est ça que je voulais te dire. Ah, d'accord. Oui, bon, oui. D'accord, oui, la différence. C'est très important que, quand je n'ai pas compris, j'ai dit, je n'ai pas compris. Alors, explique-moi ce que tu voulais dire. Et pas, je lui ai dit n'importe quoi. Tu me dis, en plus, le tof, c'est comme ça qu'on parle à son gendre. Hein? Mais n'écoute pas les mots. N'écoute pas les mots. Écoute ce que je voulais te dire. Alors, il va entendre la voix de son beau-père. Vous avez compris? Il va entendre ce qui ne se voit pas, en fait. Vous comprenez? C'est pareil. Il va écouter la voix d'Hachem. Il va entendre ce qui ne se voit pas. C'est important de comprendre ça. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'un jour, on va arriver là-bas. Est-ce que vous croyez qu'on va voir quelque chose? Non. On va juste pouvoir entendre ce qui ne se voit pas. Alors, on nous habitue. D'accord? C'est comme ça. Il faut que tu arrives à entendre ce qui ne se voit pas toute ta vie. Pour arriver à rentrer dans un monde dans lequel tu vas voir des choses sans pouvoir les entendre. Tu vas les entendre sans pouvoir les voir. Il faut que tu arrives à voir ce qui s'entend. Ce qui n'est pas possible. Il faut que tu t'habitues. Il faut que tu t'habitues à savoir que ce que tu vas savoir au là-bas, parce que tu n'auras plus ton corps. Et parce que tu as entendu sur mon Sinaï, ça va exactement pareil. Ça veut dire que tu vas avoir une logique de dire 10 en 1. Ça veut dire que c'est infini. Vous avez compris? C'est pas humain! Ben oui, parce que tu es dans un monde où tu sors de ça. On voudrait t'habituer petit à petit. Par exemple, tu vas faire Shabbat. Pourquoi faire? Mais c'est pas humain ce qu'on te demande. On te demande de rien faire, de faire autre chose, de pas allumer, de pas manger. C'est pas humain. Habitue-toi à respecter la volonté. C'est quoi de respecter? C'est de dire, écoutez-moi bien. Il faut que tu t'habitues à exister par toi-même sans avoir besoin d'autre chose que toi-même. Rien d'autre que toi-même. Tu es chômeur Shabbat. C'est quoi chômeur Shabbat? Tu respectes le Shabbat, ça veut dire quoi? Tu prends pas l'ascenseur, tu prends ta voiture, mais tu dis, mais si je fais ça, mais je vais m'ennuyer. C'est ça, non? Attends, si je peux pas allumer la télé, on va faire quoi? On va se regarder comme ça. Alors laisse-moi regarder la télé, on s'allume. Alors je dis, donc ça veut dire que tu ne peux vivre que si tu as la télé. Tu ne peux vivre que parce que ça. Bah ben oui, ben c'est comme ça, ouais, c'est normal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'ennuies de toi. C'est-à-dire que toi, tu vois quoi? Tu vois rien. Et si t'as pas la télé, ben t'es rien. Non, non, il faut que tu arrives à construire ta vie que quoi? Que tu vas te suffire à toi-même. Et c'est quoi ça le but? C'est quoi le but? C'est qu'un jour tu vas quitter ce monde. Est-ce que tu vas t'ennuyer dans le monde dans lequel tu vas? Parce que t'as rien à faire, hein, rien à faire. Non, il faut que tu sois. T'arrives à te concentrer sur toi-même et d'exister parce que c'est toi. Mon Shabbat, c'est ma famille. Ma Shabbat, c'est ce que j'ai compris. Il y a marqué celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il mangera Shabbat. Celui qui s'est fatigué à préparer son repas, il mangera Shabbat. Mais celui qui ne s'est pas préparé à préparer son repas pour Shabbat, il mangera rien Shabbat. Comme c'est que c'était l'idée de dire, si tu as préparé ta vie dans ce monde, alors Shabbat, qui est de l'homme là-bas, tu pourras manger quelque chose. Mais si tu n'as rien fait pour, alors que tu vas manger quoi là-bas? T'as compris? Ça veut dire que mes dieux, mais ici j'ai ma télé, j'ai mon machin, j'ai ma voiture, j'ai mes occupations. Mais si t'as pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je déprime. Mais ça veut dire que tu te rends compte que ta vie elle est subordonnée à ce que tu dois, à ce qui t'entoure. Mais non, on voudrait que ta vie elle soit concentrée sur ce que tu as construit de toi dans ta vie.
et tu vas te rassurer que tu es quelqu'un et que tu n'as rien besoin d'autre que toi-même. Et si tu n'as pas la télé, ben, tu es heureux. Et si tu n'as pas machin, ben, ça ne t'empêche pas d'exister. C'est ça, Shabbat. C'est tellement grave que si quelqu'un y transgresse, il est condamné à mort. Ça veut dire qu'on voit que tu saches que si tu n'es pas capable, ça ne sert à rien de continuer. Il faut que tu sois capable de comprendre que tu dois devenir indépendant. Indépendant de tout ce qui t'entoure. Parce que là où tu vas être, tu n'auras ni tes bras, ni ta tête, ni ma joie, tu n'auras rien. Que tu vas jouir de ce que tu es, en fait. Le srout, le mérite, c'est ce que tu es devenu. Tes choix sont positifs. Tes choix sont avec Hachem, tu vas retrouver Hachem. Mais quelle dimension ? Bah, sans ton corps. Aujourd'hui, on ne voit pas les limites de l'infini. Pourquoi ? Parce que mon corps, il m'empêche de le voir. Mais là, quand on l'aura plus, bah, tu verras. Donc tu vas voir ce qu'Hachem t'a dit, en fait. Mais d'une autre façon. Sans avoir la limite de ton corps qui t'entoure et qui t'enveloppe. Tu n'auras plus besoin. Tu vas exister sans tout ça. Mais ça, il faut t'habituer. Ça. Et donc, on a entendu des voix. Regardez ce qui est marqué plus tard. Quand Hachem est apparu... Regardez ce qui est marqué. Juste après, c'est marqué... Vayomer Moshe, daber ata imanu. Quand ils ont entendu les voix, etc., ouais, il y a marqué, ils ont vu les preuves, vayanu, vayandu merachok. Les ministres ont bougé et ils se sont retrouvés loin de l'endroit où ils se trouvaient. Ils ont eu tellement peur de ce qu'ils ont entendu, ils se sont éloignés. Vayomer, ils ont dit, El Moshe, Moshe, daber ata imanu. Toi, parle avec nous, venishma, venishmaa, venishma, et on entendra. Veali daber imanu elokim penamut. Et qu'il ne parle plus à Hachem parce qu'on va mourir. Ils ont dit, on a entendu ce qui était passé, on a failli mourir. C'était trop dur, trop fort. Alors écoute, dorénavant, on entendra de toi, mais pas d'Hachem, parce que c'est pas possible de mourir. C'était tellement émotionnellement touchant qu'ils n'ont pas supporté. Donc on peut entendre des hommes, mais pas d'Hachem. En fait, ils n'ont pas été au niveau d'accepter ce qu'Hachem leur a fait entendre. C'était tellement émotionnellement prenant qu'ils ont dit, non, toi tu écouteras d'Hachem et nous on écoutera de toi. Ça veut dire qu'ils ont renfermé, peut-être l'idée c'est ça, ils ont renfermé, peut-être c'est ça qui va entraîner peut-être l'idée de la faute du veau d'or. Ça veut dire qu'on s'enferme dans une image, on s'enferme dans un discours humain. C'est-à-dire, toi tu écoutes d'Hachem, mais nous on écoutera de toi, mais on ne peut pas écouter directement de lui. De ne pas pouvoir écouter de lui. Bien compris ? C'est-à-dire que quand il va vers Moshé va plus descendre, et il n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben on ne peut plus écouter de lui, donc on va faire par nous-mêmes, on va prendre quelque chose qui va le remplacer. Alors que si on avait pu l'entendre par nous-mêmes, on n'aurait pas fait le veau d'or. Ah ouais. T'as compris, bon. Ça veut dire que tu dois atteindre un niveau d'indépendance. Pas d'être tributaire des autres, mais que, par exemple, le Rav, il va dire des choses. Et ben, il m'a rendu indépendant et indépendante. Mais je ne dois pas être tributaire, parce que demain, on ne sait pas ce qui se passe, donc il faut que je sois libre. Vous comprenez quoi ? La personne qui forme, c'est pour former les gens pour qu'ils aient de l'avenir, mais pas d'être subordonné à ce qu'il va toujours dépendre. Bien sûr que si on ne sait pas, on va dépendre. Mais le but, c'est d'être indépendant, c'est-à-dire d'apprendre la Torah et d'être indépendant. C'est ça le but. Et pas de dire, non, on écoutera toi, mais on ne peut pas écouter directement d'Hachem, c'est pas possible. Non, il faut qu'un jour, tu puisses entendre directement. Il faut que tu ne sois plus l'enfant qui écoute de son père, mais que tu sois un père. C'est très important qu'on soit indépendant dans sa vie. Et ça, c'est révélateur que. Et si le Père s'en va, qu'est-ce que tu veux ? Voilà, Moshé est mort. Il n'est pas descendu du Mont Sinaï. Ben, on va faire une folie, on va faire le veau d'or. Mais tout ça parce qu'on avait. Parce que cette dépendance qui nous a empêchés d'atteindre Hachem, eh ben, on va être tributaire un jour, c'est comme ça. Il faut qu'on désire être indépendant. Dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans la connaissance des choses. Je lui dis, ben, moi, Shabbat, je m'ennuie. Ben, je t'ennuie de quoi ? Ben, je m'ennuie, j'ai rien à faire. En fait, tu t'ennuies de toi. Mais si tu avais été formé, tu savais chanter, tu faire des chants, livrer ton rang, parler à table, vous avez compris ? C'est comme un type qui me dit, vous savez, ma femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle met la télé sur minuterie, et bon, elle est là-bas dans son coin, et nous... Et puis une fois, je me suis énervé, j'en ai marre de cette minuterie, je lui ai enlevé la minuterie. Bon, je lui dis, mais pourquoi ta femme met la télé ? Ben, je dis, je sais pas, ben, c'est parce qu'elle s'ennuie. Mais ton but, c'est d'enlever la télé, ou de mettre une atmosphère dans ton Shabbat qu'elle aura honte d'allumer la télé ? Ah, c'est plutôt ça, non ? Alors plutôt que de faire ça, non, j'arrive à la minuterie. J'ai compris, mais t'as pas solutionné le problème. Vous avez compris ou pas ? Il faut qu'on soit indépendant. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose qui donne envie. Et si la personne a envie, elle a honte de faire l'inverse. Elle a honte de gâcher la fête en mettant la télé Shabbat, vous avez compris ? Et c'est ça qu'il faut construire. Il faut construire une ambiance qui donne envie de respecter Shabbat.
Donc le rôle de chacun, c'est d'être indépendant pour proposer quelque chose qui soit réfléchi, qui soit intelligent, qui donne envie de retrouver la famille. C'est ça qu'il faut faire. Mais tout ça dans l'indépendance. Tu as tout préparé avant Shabbat, tu fais rien Shabbat, que de retrouver ce que tu as préparé et de jouer de ce que tu es devenu pendant la semaine. C'est ça. Et on a entendu des colottes, on a entendu des voix. Très important qu'il faut toujours savoir écouter ce qui se passe. Ça veut dire écouter de façon à ce que je comprenne ce que ça voulait dire. Et pas de dire, bah oui, ce que j'ai vu. Et c'est logique, non. Essaie de dépasser les mots. Essaie de dépasser ce que tu vois. Voilà. Parce que Hachem, il n'est pas simple à comprendre. Et des fois, il faut dépasser l'image. C'est ça. Et donc, dépasser les mots, c'est dépasser l'image. Moi, je dis, bah, j'ai très bien entendu ce que tu as dit. Donc, l'image, tu m'as dit ça. Non, essaie de comprendre ce qui est caché derrière ça. Ce que ça voulait dire et pas ce que ça veut dire. Je ne t'ai pas demandé de traduire ce que je te dis. Je t'ai demandé de comprendre ce que je dis. Et comprendre, c'est voir les sons qui sont cachés derrière les mots. Hazak u Baruch, merci beaucoup, Hazak.